Comment tu vas? Ah, je vais bien. Et toi? Je vais très, très bien. Qu'est-ce qu'on a vécu cette semaine? On a vécu le fait qu'on regarde des films ensemble. Donc, on a vécu la pandémie. Oui. Mais on faisait aussi... On a vécu qu'on est calissement un couple monogame. Oui. Oui. Fait qu'on écoute un petit film, le soir. Oui. Puis, des fois, tu sais, les gens me posent souvent la question « Oh mon Dieu, c'est comment sortir avec Thomas? » Tu sens que des gens brillent. Puis des fois, je suis juste comme « Ah oui, mais c'est le fun. » Mais tu sais, des fois, c'est vrai qu'il est too much. Mais ha ha ha, tu sais, puis je tasse ça comme ça. Mais là, j'ai un exemple concret sur comment c'est rushant sortir avec toi. C'est-à-dire, tu m'as regardé, t'es triste. C'est de la peine. Je te niaise. Je te niaise, moi. Je te niaise. Je t'aime. Merci, je te niaise, mon amour. Mais oui, bien sûr. Mais c'est que quand on écoute des films... Je pense que t'es tellement habitué ou c'est tellement dans ta personnalité d'être extraverti puis d'être dans la communication puis d'être dans la livraison de gags et tout ça. Donc, quand on écoute un film puis on est censé être juste dans l'écoute, t'as beaucoup de difficultés avec ça. Mm-hmm. Et là, hier, on a mis Almost Famous, qui est maintenant disponible sur Amazon Prime. En tout cas, je sais pas si c'est nouveau, mais bref, il est apparu dans notre truc puis on l'a écouté. Et à chaque minute et demie, tu décrivais ce qu'il y avait à l'écran. Mm-hmm. Exemple. « Ah, oh, c'est Zoé Deschanel! » « Ah, c'est une crise d'adolescence! »« Ah, c'est un CD de rock! »« Hey, c'est de Who! » Mais une chose, je suis là! C'est comme un On l'aurait pas su! C'est comme un pop-up vidéo, mais worst! Il y a pas des choses... Moi, c'est pas les easter eggs que je mentionne, c'est des choses évidentes. On le voit! Une femme marche. Oui, oui! Une voiture circule. Ah, c'est le rock'n'roll! C'est juste... Ça t'a fâché. Aussi, qu'est-ce que je fais que t'aimes pas? Je suis pas si fâché. Mais j'ai fait ça va, là. Aussi, j'aime ça arrêter le film. Oh, mon Dieu. Puis reculer. Oui, mais on l'a pas déjà compté. C'était-tu au podcast qu'on l'a... Je sais plus qu'est-ce qu'on compte au podcast ou dans la vie, mais tu sais, quand on écoutait Game of Thrones, que t'as voulu... Je pense qu'on l'a compté au podcast. Mais non. T'as voulu l'arrêter parce qu'il y a beaucoup de nudité dans Game of Thrones. Mm-hmm. Beaucoup de nudité, principalement féminine, mais là, il y avait de la nudité masculine et je l'avais manqué. Fait que là, t'as voulu faire pause puis rewind, mais avec la télécommande du Apple TV, t'as tout fucké l'épisode puis ça m'a fâché. Ouais, puis je me rappelle avoir crié « Venez voir le pénis ». Oui. Hmm? Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Ah, oui, on l'a dit. Ah, c'est dit. C'est ça qui se passe quand il y a des gens qui... Ah. On a déjà pu... Il va falloir finir le podcast, on n'a plus rien à compter. Ou devenir vraiment couple ouvert puis vivre ça. Hey! Fait que j'ai écouté un film avec un gars, il arrêtait pas de dire, check, c'est ça, ouais, des Chanel! Ah, il était fatiguant! Fait que je l'ai sucé. Parce que, tu sais, il était désagréable, fait que là. Parce que toi, quand tu fais ça, ça me gosse, mais lui, quand il fait ça, ça me rappelle toi, pis là, ça m'excite, tu comprends? J'étais obligé de sucer. Mais je comprends pourquoi t'es fâché que je fasse ça. Mm. Parce que toi, tu comprends jamais. Tu te rappelles jamais rien des films. Je me rappelle jamais des films. Pis quand tu dis qu'on se rappelle pas des films, on se rappelle. Mettons. Qu'est-ce qui est arrivé il y a trois... C'est qui, cette femme-là? Tu fais « je ne sais pas mm-hmm. ». Mais tu fais « c'est Nicole Kidman oui. dans Eyes Wide Shut ». Elle est oui. dans tous les plans. On a participé à beaucoup de podcasts de films récemment. On a reçu plein d'invitations d'amis podcasteurs qui nous ont demandé à participer à leur podcast de films et ça m'a vraiment fait Donc, plaisir. Donc, Trash Talk, qui est... Eux, ils pensaient que j'exagérais, mais moi... Trash Talk, c'est que tu regardes un film puis tu oui. commandes tout ce qui se passe. Oui. Ça, c'est juste normal pour moi. Ah, c'est ça, c'est vraiment... C'est vrai, c'est l'apogée de toi. Et... Dans l'épisode, vous pouvez le voir sur le Patreon, notre Patreon et le Patreon, notre Trash Talk, c'est juste moi qui pointe des femmes et qui fait « j'aimerais ça la voir nue ». Comme je fais à la maison. Mais il y en a fait un podcast humoristique pour oui. une soirée relax. Ouais, où on écoute le téléjournal. Mais oui, moi je me souviens jamais, j'ai vraiment de la misère à me souvenir des films. Puis même des films que j'aime. J'aimerais... Genre l'autre fois, j'ai réécouté, je pense, Boogie Nights pour la quatrième fois, puis j'ai encore été surprise qu'il tue sa femme. Oui. Spoiler alert, je m'excuse. Mais une vraie surprise, c'est... Oui, j'avais... Voyons, non! Oui, exact. Mais le meilleur de toi, c'est que... Des fois, tu mélanges les films. Oui. Exemple, si pour toi, là, un comédien, ça doit jouer dans un long film. Oui. Genre pour toi, Forrest Gump. Oui. Puis... Tom Hanks.
Oui, Forrest Gump et Il faut sauver le soldat Ryan, c'est le même film. Tu dis, ah oui, le bout dans Forrest Gump où ils font un débarquement Forrest de Normandie. Forrest Gump a mené un accident d'avion très grave, puis il est coincé sur une île très longtemps. Ben, tu sais, il arrive tellement d'affaires à ce gars-là. T'as mélangé deux films vraiment pas pareils. Tu penses que Waterworld, c'est The Postman? L'autre jour, j'étais convaincue que Waterworld, c'est The Postman. Et j'ai même émis le synopsis suivant. J'ai dit, c'est l'histoire d'un facteur dans un monde post-apocalyptique qui est composé seulement d'eau. Toi, tu penses... Mais je m'excuse, mais c'est un excellent synopsis. Tu penses que Waterworld, c'est un gars qui livre de la malle sans laisser un peu... En bâton! Oh, yo, Hollywood, faites tellement des remakes. Refaites ça. Refaites ça. Voilà. Fait que ça, c'est nous qui faisons du cinéma. On est très heureux aujourd'hui parce qu'on reçoit un humoriste que j'admire, un humoriste qui me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire. Et un humoriste, à chaque fois que je vois une soirée d'humour puis il est là, je l'écoute. Yes. Au lieu de juste niaiser sur mon sel puis me dire, je suis meilleur que lui. Mm-hmm. Lui, je l'écoute. Les autres, non. Parce que je suis, j'aime pas ça être confronté à, à mes propres limites. Je comprends. Jimmy Jazz, comment tu vas? Allô, allô, salut! Allô. On peut pas passer sous silence tes beaux ongles. Oui, c'est beau, hein? C'est quoi? Ben, mais montre la caméra pour que les gens voient. C'est ça, là? Ouais. OK. L'autre bord. C'est cool! Mais on en parle parce que tu nous l'as présenté tantôt, puis t'as des ongles spéciaux. J'ai un T pour Thomas. Wow, dans le plus beau doigt. J'ai un S pour Stéphanie. Ouais. C'est un peu, c'est les doigts où je... Les anneaux de mariage. Oh! Puis de fiançailles. Oui. C'est parce que tu nous aimes beaucoup, je pense. Je vais faire une blague. Mais c'est juste la gauche, fait que j'aime plus Stéphanie que... Yeah. Je comprends. Je comprends ça. Puis un cœur, parce que je les aime. C'est fait aussi par Stéphanie. Elle va être fâchée que je lui dis. C'est une amie qui s'appelle Stéphanie. Ouais, on la salue, c'est très beau. As-tu un compte Instagram? Oui. Ben, fait ça dans la vie ou elle fait non, non, elle fait d'autres choses. OK, parce qu'elle n'est pas agressante en disant « Moi aussi, je veux des ongles à 3h du matin. » Oh, et tu as le plus beau T-shirt. Oui. Ah, je plug beaucoup d'eau d'affaires. C'est Ali Picard. Lève-toi debout, s'il te plaît. Monte derrière. C'est joli. Olivier Picard. C'est en vente. C'est très beau. C'est pour les gens qui écoutent seulement audio, c'est un chandail avec un podium. Puis la troisième place et la première place sont inversées dans les chiffres. Et c'est écrit à l'endos. Les derniers seront les premiers. Chanson fort de l'œuvre de Céline Dion. Les gens qui nous écoutent, mais qui ne nous regardent pas, je vous encourage à aller sur YouTube. Ouais. Parce que les ongles de Jimmy, le chandail de Jimmy, t'ont décolleté. T'ont décolleté! Je sais pas à quel point c'est... Oh ouais, c'est quelque chose. Moi, je crois qu'on va être démonétisé sur YouTube. Je crois. On prend le risque. On prend le risque. Qu'est-ce que... D'ailleurs, parce qu'on en s'est glissé un mot avant, mais je sais qu'un moment donné, ça t'est arrivé, Jimmy, mais moi, mon compte Facebook s'est fait suspendre tantôt. Parce que j'ai voulu poster mon meme. Parce que t'es une bombe sexuelle. Oui, c'est ça. C'est, je vais contre les règles de la communauté. Non, j'ai voulu publier mon meme de Maxime Martin. Ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu, qui était en lien avec un gag que j'ai fait dans l'épisode de Ariel Rebelle. Fait que c'est ma face sur Maxime Martin qui se monte une couille, mais je l'ai quand même censuré. Avec quoi tu l'as censuré? Avec un tag Free Britney. Ouais. Puis là, je me disais, c'est pas de la nudité. Ben... Ils m'ont flagué, ils ont analysé, ils me sont revenus, ils ont dit que non, c'est vraiment pas bon, puis là, ils ont dit que je pouvais plus rien publier pendant 24 heures. Wow, est-ce que tu penses que c'est parce que c'est sexuel ou juste parce qu'ils veulent pas de Maxime Martin sur Facebook? T'as utilisé l'image de Maxime Martin. Non, 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 ils vont juste pas de Maxime Martin ici. On veut pas... It's a Maxime Martin free zone. Ouais. Ils disent, on veut pas créer la même chose. On veut pas créer un génocide comme en Birmanie. C'est clair que s'il y a trop d'images de Maxime Martin, bon, un génocide des Québécois. Ouais, un génocide au Québec. C'est sûr. Genre, moi, quand je vois Maxime Martin, j'ai envie de prendre les armes. Je comprends. Ouais. Fait qu'ils m'ont empêché de... Nico Pimon s'est battu, m'a amené. Il y avait une photo de Maxime Martin, on s'est battu. Ça vous a... Ben, c'était juste une excuse pour qu'on se touche. On veut juste vraiment se toucher. Bon, on n'ose pas se le dire, fait qu'on se bat. Puis toi, Jimmy, ça t'est déjà arrivé aussi? Oui, oui, sur une chanson. Mais ils ont pas de vouloir battre Maxime. De vouloir te battre à cause que tu vois Maxime Martin. Non, non, mais parce qu'on t'a censuré. Pas Maxime Martin. Une chanson que t'avais utilisée sur Facebook? Ouais, une vidéo là, okay. De Fleetwood Mac. Puis on dit non, 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 c'est pas à toi la chanson. C'était-tu à cause du meme du gars qui se promène en bas? Ah non, 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 c'est une autre chanson. Okay. C'est, yo! C'est original, y'a pas de niaisage. Non, non, je veux pas faire ça. Je suis pas. Je comprends. Pas la télé. Mais c'est ça, toi tu pourrais le faire là. Comme... là, maintenant. Là. Je bois du jus.
Mais tu publies beaucoup de vidéos, justement, où est-ce que tu t'insères dans des extraits télé et ouais. tout ça. Ouais, j'aime Parle-nous ça. Parle-nous de ça. Ouais, mais dans le fond, j'ai un fond vert chez nous. OK. Puis, c'est vraiment plus facile qu'on pense faire ça. T'insérer dans des... Ouais. M'insérer dans... Des vidéos. J'aime tellement parce qu'on dit on adore ce que tu fais. Bah, c'est pas si difficile. Est-ce c'est que, pas... Ouais, mais... T'as-tu peinturé un mur vert ou t'as un genre de drap vert? OK. Ouais, je l'ai collé sur mon mur. OK. Puis là, il est là tout le temps. J'ai une petite chambre à côté de ma chambre. OK. Let's go. Parfait. J'ai des petites lumières Puis comme comment ici. T'as commencé à faire ce genre de vidéos-là? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Parce que là, on peut plus faire de scène. Ouais. Ouais, effectivement. Puis là, ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai essayé de faire une. J'ai fait une vidéo de Charlotte Cardin sur mm-hmm. un coup de tête. Je me suis dit, ça serait drôle de que ça soit moi, Charlotte Cardin. Oui, c'est très drôle. Puis là, on a quand même copié son vidéo. Puis on a fait ça l'année passée, je pense. OK. Puis j'ai eu un bon feedback. Puis là, Charlotte a aimé ma photo. Que... Hey! Ouais, cool. Fait, Yo, mais je sais pas si elle a vu la vidéo. Okay. Peut-être qu'elle a pas aimé ça non plus la vidéo, mais j'avais mis colère. Une photo puis ça serait génial une rivalité entre Jimmy Jazz et Charlotte Cardin. Cardin. Ouais. Puis son prochain clip, At Blast, c'est ça son clip. Un diss track de moi, ça serait dingue. Ça serait incroyable. Un diss track de Jimmy Jazz. Ton nom vient d'où parce que ton nom est extraordinaire. Ouais, c'est un surnom. Ça a toujours ouais, été. Ça, j'ai ouais. J'ai... Ouais, ouais, c'est pas mon. Oui, oui, c'est pas un vrai nom. Ben, non! Parce que j'ai dit ça parce qu'on me le demande. C'est parce que c'est nom. Comique. Tu. Steph, elle a vécu ça, là, accoucher de quelqu'un. T'accouches d'un être humain, tu le vois. Je connais personne qui fait hostie, ça c'est Jimmy Jazz. Ça c'est Jimmy Jazz! À moins qu'il soit de même, le bébé, là. Ben si, non, mais si tu dis c'est Jimmy Jazz parce que c'est la famille Jazz. Ouais. C'est vrai. Fait que c'est pas si saugrenu que ça d'appeler ton enfant Jimmy Jazz, toi tu t'appelles Peter Jazz. Vu comme ça. Vu Peter Jazz. Non, mon papa s'appelle pas. C'est pas Peter Jazz. C'est pas Peter c'est Jazz, pas Peter mais. Jazz. Je t'ai coupé pour dire des conneries. D'où vient ton nom? Alors, sur secondaire, on écoutait The Clash, un band punk. Puis il y a une tune qui s'appelle Jimmy Jazz, puis ça tombe que mon prénom c'est Jimmy. Fait. Oh, c'est cool. Ah, c'est génial. Cool. The Clash, let's go. The Clash, oui. Très cool. Yo, ça, ça a toujours été ça sur Facebook aussi. Puis ça, c'est un peu long, mon nom de famille. Ton nom mon vrai nom de famille. Okay. C'est les deux. C'est pas pratique avoir les deux. Ah, t'as les le deux nom de noms? Ouais, Saint-Surin, ouais. Saint-Ibanaise. Yo, mais c'est un beau nom. Jimmy Saint-Surin, Saint-Ibanaise. Ouais! J'aime mieux jazz. J'aimerais raconter la première fois que je t'ai vu sur scène. Ça, ça montre à quel point je connais rien et que je suis dans le jugement. Ah, ok, oui. Tu la prochaine fois, la première fois que je t'ai vu, c'était au bordel. Ouais. T'arrachais tout. T'avais le public dans ta main, t'étais drôle, tu l'as encore. Puis je me rappelle, j'étais sur le côté, puis j'avais dit, ah, c'est vraiment cool qu'un autiste ait le courage de monter sur scène. J'étais sûr, c'était tellement inspirant. Pourquoi? La Parce... manière que je parle? À quel point quand t'es anxieux sur scène, tu le caches pas. Et okay. qu'être anxieux sur scène, ça fait partie de toi. Et au lieu de l'écraser, comme moi je fais, ça fait juste partie de ton acte. Tu le laisses sortir, ça fait... Puis je trouve ça beau. Parce que la première fois que j'ai fait de la scène au bordel, justement, j'ai jamais fait de quoi de même, là. Fait que... Puis j'ai rien compris la première fois, je m'en rappelle 0000. Mais le public a aimé ça, je pense. Ah non, je crois que je sais pas si j'étais là cette fois-là, mais je me rappelle, c'était un triomphe. Ouais. C'était hilarant, tes jokes sont géniales. Je m'en souviens, ça devait être très gossant pour toi. Souvent, quand dans les soirées du mot, quand je te croisais, je te comptais tes jokes. Ouais, mais c'est nice. Tu disais, ben ouais, non, je connais mon matériel, Tom, je sais pas pourquoi c'est la seule chose que tu trouves à me dire. Tu sais, tel joke, oui, je l'ai écrit, je veux dire, je viens de la faire, Tom. Non, mais ça donne de la confiance, c'est gentil. Moi, je sais pas si mes blagues sont bonnes. Ils sont magnifiques. Je sais jamais de ce que tu vas dire. Je trouve ça génial. Fait que, ce que j'ai compris, c'est que la première fois que t'as fait un open mic, c'était l'open mic du bordel? Ouais, ben, c'est un défi que je me suis donné pour sortir de ma zone de confort. Pis, OK. Ouais, ça a été quelque chose. Puis après ça, un autre de mes amis m'a booké sur sa soirée. OK. Puis là, depuis ça, là, j'écris à tout le monde pour... Ben, pas là, mais... Cool. OK, je veux tout savoir. Première question. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'inscrives au bordel pour monter sur scène? Je sais pas. Ben, dans le fond... J'ai su qu'on pouvait le faire. Fait que je me suis dit, pourquoi pas?
Puis c'est tout. Mais là, j'ai écrit à la fille qui book au bordel. Mélissa Fautu, on la salue. Oui, Mélissa, je l'aime beaucoup. Elle est super. C'est son anniversaire il y a quelques jours. Mais elle a vu que le podcast sort dans deux semaines. Ben, moi, je vais lui dire. C'est pas grave, c'est toujours le fun. Joyeuse Pâques. On y souhaite joyeuse Pâques. Mélissa. Joyeuse Pâques. J'espère que la mort du Christ, ça fait pas trop de peine. Pas trop de chocolat. Trop de chocolat. Let's go, Mélissa. Trop? OK. Au terminal. Ah oui. C'était cool au terminal quand. C'est vraiment cool. Il y a une fenêtre, c'est au deuxième étage, il y a une fenêtre qui donne sur Mont-Royal, il faisait le show devant la fenêtre. Alors quand tu voyais l'humoriste, tu voyais tout Montréal. C'était super beau. Puis là, ils ont switché ça de bord. Ils ont switché ça de bord. Ouais. Ouais. Bon. All right. Très cool. Ouais, fait que tu as eu la piqûre en allant, en fréquentant les soirées du monde, puis tout ça. Ouais, ouais. Ben, je me suis dit que je vais essayer, là. Puis t'es un des rares qui a eu du succès dès ses premières fois. Ben, du succès, là. Personne ne me connaît, là. Pour moi, tu te permets. Non, mais moi, pour moi, du succès, c'est quand t'es dans l'endroit où tu fais de la comédie, les gens rient. Oui, oui, oui. Moi, c'est l'inverse. J'ai beaucoup de... Je suis très connu, mais les gens rient pas quand je fais du stand-up. Je suis comme l'inverse de toi. On est deux supposés. Yeah, t'as mal au bac. Oh, ben, coudonc. Pourquoi c'est pas sa blonde qui a le micro? Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors, mais c'est curieux parce que pour une première fois, tu as de l'excellent matériel. Comment tu as appris à écrire? Je savais pas comment écrire. Ah, c'est génial. Dans le fond, moi, j'ai envoyé mon texte à Véronique Isabelle Fignon. Elle fait de l'humour aussi. Oui. Puis elle m'a dit si mes gags étaient bons. Puis là, ça m'a donné un peu de confiance. Puis j'allais le délivrer sur scène. C'est très ça que cool. J'ai fait. Très cool. Mais parce que mon personnage. Ton persona sur scène, on dirait. Ouais, persona, ouais. Mais sur scène, m'a beaucoup aidé, là, parce que j'ai recommencé deux fois mon texte. OK. Puis mais ça marche là-dessus. Mm-hmm. Ouais. Puis là, je suis plus conscient de mon persona. Fait. Mais t'es tellement en symbiose avec ce que t'es que. On peut pas t'en vouloir. J'ai tellement appris en te voyant. J'ai tellement appris en te voyant sur scène. Mais, La première fois, on pensait que c'était tout écrit. C'est genre que c'est pas un personnage, mais c'est moi sur scène. Mais pour des gens, je pense que. Parce que je dégage quelqu'un de confiant, je pense, mais sur scène, je suis plus 0-0-0. Confiant. C'est curieux parce que psychologie 101, let's go, je suis bon là-dedans. Mm-hmm. Faut avoir énormément de confiance pour montrer ses vulnérabilités. Plutôt que faire. Moi, j'ai peur de rien. On va être peur de rien, mais qu'est-ce que calisse avoir l'approbation des connus? Mm-hmm. Ok, ouais, j'avoue. Je pense que ça prend vraiment une confiance en soi pour faire. Hey, je me suis trompé, je recommence. Mm. Ouais, ben ouais. Ou pas savoir quoi faire aussi, là. Pour de vrai, je savais pas qu'est-ce que je faisais, là. Je vais juste recommencer les trois dernières minutes. Je t'ai déjà vu faire du crowd work. Puis faire en plein milieu, hey, c'est pas le fun faire du crowd work puis faire du matériel. J'ai trouvé ça génial. Ouais, mais oui, je dis qu'est-ce que je vis à l'intérieur de moi sur scène. C'est extraordinaire. Ouais. Tu faisais du crowd work, puis tu fais, je sais pas pourquoi le monde font ça, c'est plate. T'as juste fait du matériel. Mais c'est le meilleur gars, man! Puis à l'époque, je faisais beaucoup de crowd work. Ah, oh. Ben c'est pas. Pour... Non, pas du tout. Toi, non, mais moi, je trouve ça cool. J'ai jamais vu ça comme une attaque. Puis même si sur scène, tu ris de moi, je vais jamais mal le prendre, mais je trouve ça génial que. Moi, je carburais tellement à ça. Puis de voir un gars le faire en disant « Mais quel ennui! » Faut passer à autre chose. Ah oui, damn, man! C'est du small talk! T'avais une soirée d'humour aussi géniale. Oui, c'était vraiment le fun. Ça aussi, je l'ai eu par hasard. Là. Mais pas par hasard. Là. J'ai écrit à la personne pour faire une soirée. Mais... Quel hasard! Parce que moi, Non, mais par chance. À quel endroit tu faisais confiance. La soirée? Ou Hangar 51. Mais là, ça n'existe plus. Décris, c'était quoi? Parce que ma soirée? C'est tellement bizarre comme endroit. Oh, mais l'endroit. Dans le bon sens du terme. Ouais, ouais. Il y avait... Dans le fond, c'était un genre d'arcade. Mm-hmm. Okay. C'était vraiment gros. C'était beau. C'était très beau. C'était haut. C'était où? C'était à Montréal? C'était haut, oui. Oui, c'est à Montréal. C'est sur Rosemont. OK. Je sais pas pourquoi je t'ai dit ça sur un ton tellement agressif. Parce que t'aimes tellement ça te rappeler que tu viens de ce hood-là. Oui. T'es tout le temps comme Rosemont. Ah ah. Mm-hmm. Puis là, on habite à Longueuil. Hein? Ouais. Vous habitez à Longueuil maintenant? On habite à Longueuil. Ah. Ouais. Je viens de Longueuil. Bref, je m'excuse, je t'ai interrompu, mais c'était comment là encore? Donc, c'est vraiment fun. Les propriétaires étaient vraiment cool. Ils m'ont laissé carte blanche pour la soirée.
Puis là, j'ai dit, parce que j'observe beaucoup, là, fait que j'ai checké comment ça marchait une soirée, puis j'ai dit, mettez des rideaux, lumière, spot. Puis, on était-tu la même bon soir? On était-tu le même soir? Ouais, ouais. Parce que souvent, moi, j'encourageais les gens qui disaient, hey, j'ai aimé jouer, mettons, à ta soirée, Tom, je veux jouer, avant de jouer ici. Ou, oh non, je disais, tu fais des humoristes, si tu veux jouer chez nous, book-toi sur Jimmy, tu vas avoir le même spot deux fois, trois fois. Je m'en souviens. Ouais, ouais. Ah, c'est gentil. Je m'arrangeais avec les autres Boris pour qu'ils jouent dans le film. Ouais, mais tu m'avais booké sur ta soirée avant. Oui, mais je commence la mienne. Ça, c'est vraiment gentil. Merci. J'avais d'exprès parce que je te trouvais bon, puis je l'ai cru du monde. Puis un truc que j'adorais ta soirée, c'est à quel point t'attires du monde qui ne vont pas les soirées d'humour habituellement. Fait que ça, c'était très déstabilisant et rafraîchissant. Ouais, ouais. Ouais, mais ça. Ouais, c'est vraiment cool. Il y avait beaucoup de femmes aussi. De femmes? Ouais, à ta soirée d'humour. Parce que moi, j'ai remarqué ça parce que moi, ma soirée, beaucoup d'hommes célibataires. À ma soirée d'humour, j'attire beaucoup ça. Des gens qui jouent aux machines aussi, c'était cool. Yo, aussi des gens qui jouent aux machines! Ouais. Qui parlaient un peu trop. Ouais, mais puis c'est dur de dire un joueur compulsif parle moins fort. Ouais. Parce qu'on à la machine. Parce qu'on fait de l'art. On a fait les stats cette semaine. On regardait les stats du podcast de Thomas Levac puis de Couple Ouvert sur YouTube. Okay? Puis Couple Ouvert, on a un auditoire composé de 75% d'hommes et 25% de femmes. Et le podcast de Thomas Levac, c'est 97% d'hommes. Où ça, sur YouTube? Ouais. Ouais. Je suis le prince des incels. 97%. Wow. Donc, ouais. C'est plus que Jeff Fillion. Jeff Fillion rejoint plus les femmes que moi. C'est fou. Je suis plus que Marc Bollard. C'est wow. Mais tu sais, quand tout ce que tu fais, c'est compter des jokes de masturbation, ouais. C'est ça qui arrive. Maintenant, les filles vont, OK. On va pas vivre ça. Mais il y a toi. Là, ben, ouais, c'est ça. Toi, t'as le 3%. Fait que tu vois ce que ça fait, les 3%? Oui, c'est ça. Yeah. Ouais, le 3%, c'est toi et Marilyn Jonka. Ah! Les deux personnes qui écoutaient le podcast, c'est tout. Puis la mère à Nico, curieusement. La mère à Nico. La mère à Nico, c'est ça. La mère à Nico. 24-7. Marilyn Jonka, puis Steph, le c'est les 3. Le Max, c'est mon boy. Après Nico. Tu viens de Longueuil. Ouais, ouais, j'ai grandi là au primaire. Ouh. Non, jusqu'au secondaire. Okay. Dans le vieux Longueuil. Hey! Dans le vieux Longueuil. On est dans ce coin-là? Vous êtes là? Oui. Ouais. Proche de Saint-Charles ou? Un peu plus en dedans des terres. En dedans des terres. Ouais. Tu sais, pour Longueuil, il n'y a rien. Non, c'est très laid. Non, je voulais juste être gentil. C'est extrêmement laid, Longueuil. T'as raison. J'ai menti, je m'excuse. C'est vraiment, vraiment laid, Longueuil. Mais la beauté de Longueuil, c'est la liberté. Tu peux être qui tu veux à Longueuil. Personne ne veut te juger. Ça, je trouve ça beau. Mais à Montréal aussi? Non? Tu peux être... Oui, non. Il y a une certaine manière d'être... Tu peux être pas cool assez vite. Voilà. Tu peux pas être cool à Longueuil parce que t'es déjà pas cool. Qu'est-ce que t'as aimé de grandir en banlieue? Rien. OK. Je comprends. J'aurais aimé ça, grandir à Montréal. Ça aurait plu. Mais c'est comment grandir à Longueuil? On va comparer nos enfances. Tu faisais quoi, mettons, entre 7 et 12 ans? 7 ou 12 ans. C'est... Quelle année du primaire, ça? Sept. Deuxième. Ouais, à cinquième. Ouais. Je faisais pas grand-chose, mais j'habitais proche de l'école. OK. Des fois, j'y allais pas souvent. T'aimes à l'école? Ouais, au primaire, des fois, j'y allais pas. Tu foxais au primaire? Ouais, je disais à ma mère, je veux rester à la maison, s'il vous plaît. T'es le meilleur gars de tous les temps. Tu foxais au primaire. Au secondaire, j'ai manqué tous les vendredis d'une année scolaire, puis personne n'a rien dit. À quel point j'étais introverti. Tu ne te rendais pas compte. Personne s'en regardait. Tous les vendredis, là, genre, sans exception. Wow! J'ai manqué, puis personne. Puis t'allais faire quoi le vendredi? Je dormais. OK. C'est tellement cool. Ouais, je faisais pas grand chose. Je dormais quand j'étais jeune. Puis okay. Tu faisais pas de vandalisme? Non, j'étais vraiment sage. Wow. J'étais plus dans ma tête. J'ai toujours été un peu dans ma tête, puis je pensais à des affaires. Là, très... Est-ce que tu as toujours su que tu voulais faire de l'art, mais t'osais pas? Ouais. Quand j'étais jeune, j'étais plus écrivain. Ça explique après ça, musicien. Puis après ça, vu que... Ça explique pourquoi t'écris aussi bien. Parce que oui, t'as plusieurs qualités en tant que stand-up, mais ton écriture... Ouais, mais quand j'étais jeune, j'ai abandonné d'être écrivain parce que c'est dur d'écrire le français. Mais bien sûr, c'est vraiment dur d'écrire un roman, oui. C'est une langue complexe, Ouais. Vraiment. Wow. Mais tu faisais... Wow, moi, mon enfance, c'était faire du vandalisme. Ouais. Puis faire tout le temps des choses... Un peu trop sexuel pour mon âge avec mes amis gars. Voulez-vous que je vous compte le truc le plus sexuel, bizarre que j'ai fait? Non!
Oui, s'il vous plaît. Ben oui, Tom. On avait un Vidéotron pas loin. Et moi, mon enfance, c'est marqué par... Tu sais, on se plaint, les jeunes sont tout le temps sur leur iPad. Ouais. Mais c'est mieux que ce que je faisais, mettons. Parce que avec l'ennui vient les idées niaiseuses. Ouais. Au Vidéotron, il y avait une fille... Le chiffre de nuit du vendredi soir, c'était une fille qui n'avait pas d'autorité. Fait que nous, ce qu'on faisait, pendant qu'il n'y avait personne, j'allais au comptoir, je baissais mes culottes, puis mon amie me frappait avec une ceinture devant elle, jusqu'à temps qu'elle nous mette dehors. What? C'est ça qu'on faisait. T'avais quel âge? Genre 10 ans. Pardon? Ouais. Tu sais qu'il y a des caméras aussi, hein, aux caisses. Fait que tu faisais ça devant les caisses? Je sais pas. Mais pourquoi? Si tu as un appel à l'aide, ton partage aujourd'hui ou. Est-ce que tu pleures là en ce moment ou tu ris? Mais. Qu'est-ce que. Nous, on est censé faire quoi avec cette anecdote-là? Juste ton ami t'a frappé avec une ceinture pendant que quelqu'un regardait. Ouais! Est-ce que. Mais la pauvre dame à la chaise! C'est tellement sexuel! Puis est-ce que vous riez en même temps, genre? Ouais, parce qu'on riait drôle. Pour pas confronter le fait que c'était si sexuel, je pense. Les hormones, hommes, si tu prends des hormones, du temps, de l'ennui, ça donne ça. Hey, moi, j'ai une anecdote, par exemple, de Club Vidéotron. J'espère que c'est la même que moi. J'espère que c'est la même. J'ai vu deux petits gars. Mais c'est... J'ai un de mes amis qui travaillait au Super Club Vidéotron. Puis un ami vraiment comme super straight dans la vie, tu sais, vraiment comme professionnel puis tout ça. No efficace, nonsense. No nonsense, vraiment un bon employé. Mais les soirs que Star Academy jouait, il n'y avait personne dans les commerces. Moi, je me souviens aussi, moi, c'était à l'époque où je travaillais dans une pharmacie, j'en coutu, puis le dimanche soir, il n'y avait personne. Tu sais, dans les débuts de Star Academy, là, les premières années, c'était vraiment... c'est ça. Fait qu'il s'ennuyait au Super Club Vidéotron. Puis, je sais pas s'il est allé en acheter ou s'il est allé en chercher chez eux, mais bref, il est allé chercher comme un 40 onces de vodka, puis il a versé ça dans les machines à slotch. Puis après ça, tout le monde se passait des slotch à vodka. Puis, il s'est fait pogner sur les caméras, puis il s'est fait renvoyer. Mais moi, je rêve... En quoi, c'est pas un crime? De mettre le... Mais il donnait pas ça aux clients, là. Oh! Moi aussi, je pensais qu'il donnait ça aux clients. C'est tellement important, mon amour! Prank! Je te mets parce que toi, moi aussi, je gagne. Faut donner ça aux clients. J'ai mal raconté. Faut pas que je te mette dehors. Faut le mettre en prison, cet homme-là. C'est illégal, moi. Non, je pense qu'il y avait personne dans le magasin. Hey, moi, j'ai un ami, il drogue le monde parce que Star Academy, c'était populaire. Comme pardon! Il y avait pas de clients. Il était juste comme le staff. Bonne nouvelle, Star Academy aujourd'hui fait plus autant de codes d'écoute, fait qu'il n'y a plus besoin de faire ça. Mais, oh, top, ça y est. Mais, c'est ça, moi je rêve de mettre la main sur la cassette. En passant plus de Mariana Mazza à Star Academy, bref. plus. Moi j'aime ça, Star Academy. Oh, on va parler après. T'as fait une vidéo d'ailleurs où tu t'inclus dans leur galerie. Oui, ils ont aimé ça en plus, les participants. Très cool. C'est nice. Mais juste, qu'est-ce que tu fais que ton ami fasse? C'est pas important. Oui, c'est important, mon amour. Non, mais je rêve juste de voir, parce que mon ami est tellement comme straight puis square puis comme vraiment droit dans vie que je rêve de mettre la main sur le footage de lui qui rentre au Club Vidéotron. Un 40 ans, comme ça, qui fait glou, 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 glou dans ma chaîne, c'est tout. Moi, je rêve d'avoir son footage à lui. Mais c'est pour ça que ça m'a fait cliquer, parce que je me suis dit, s'il y a le footage de lui qui rentre. C'est ça. Il y avait des caméras aux caisses. Ouais. Dans les Super Club Quelqu'un Vidéotron. Quelqu'un a ça. Quelqu'un a ça. Je pense que personne n'a gardé ça. Parce que c'est ce qu'on appelle la pédophilie. Oh! Oui, parce que si tu gardes ça chez toi... C'est vrai. Puis tu fais « Non, mais c'est pour rire! » Ouais, t'es pas le premier qui veut c'est rire. C'est deux petits gars tout nus! Ah, ben, super. Ça vaut cher, ce footage-là. Ça vaut très cher. Fait que bref, t'aimes Star Academy? Oui, j'adore ça. Qu'est-ce que t'aimes dans Star Academy? Inspirant. C'est ouais. Inspirant, je trouve. Ouais. C'est inspirant que t'es mieux de travailler fort pour pas te retrouver à Star Academy. Non, je déconne. Il y en a qui s'en sortent, là. Charlotte Cardin, justement, elle a fait la voix. La voix, c'est vrai. Ouais. Moi, ce qui me fait rire... Marimé aussi. C'est vrai, Marimé, oui. Puis c'est aujourd'hui, ça. Elle anime une télé-réalité. Ouais. Tu vois? Ouais. Puis elle est vraiment merveilleuse. Oui, vraiment. Elle est vraiment merveilleuse. Je vais arrêter d'être cynique par rapport à Star Academy. Puis j'aimerais que tu nous partages ton amour de Star Academy. Ah, mais je trouve ça inspirant. Mais peut-être que j'aimerais ça être chanteur un moment donné aussi, là. Ouais. Mais je chante pas bien pour l'instant. Mais je chante dans mes vidéos. Ça fait du bien. Ben, le monde n'aime pas ça. Ça se travaille, hein. C'est un instrument qui se travaille. Safia Nolin m'avait dit
pour chanter, il faut pas chanter bien. Pour l'enregistrer et l'imposer au monde, il faut chanter bien. Elle n'a pas dit ça de même, mais en gros, c'est important de chanter. Ouais, je comprends. Oui, oui, oui. Si t'aimes chanter, chante. Ouais, ils ne sortent jamais mal. Ouais, ouais, par ouais. contre, si tu loues le Quai des Brumes puis tu vends les billets à 28$, ça serait cool. Que tu chantes bien. Soit bien. Oui, ouais. Je comprends. Quoi qu'il y a des gens qui ne chantent pas très bien, mais que c'est ça leur voix, tu sais. Mais avec la technologie, maintenant, on peut. On n'est pas obligé de chanter bien tant que ça. Mm. Tu vois? Je comprends. Je pense. Moi, je mets plein de reverb, puis c'est pas si pire que ça. Est-ce que je peux vous compter mon meilleur bout de Star Academy? Est-ce que ça implique la nudité infantile et des ceintures? Si oui, non. Mon meilleur bout de Star Academy, c'est disponible sur Facebook ou Twitter, je m'en souviens plus. C'est dans la dernière édition, il y a un jeune musicien qui fait une petite performance, puis le Grégory Charles prend la peine d'y parler, puis c'est un beau moment, parce que c'est un beau moment entre... un noir plus vieux avec un noir plus jeune qui parle à quel point c'est important le talent, oui. à quel point c'est quelque chose d'important, puis explique que moi, ma mère m'a expliqué qu'avoir un talent, c'est faut chérir ce talent-là, puis que c'est quelque chose qui a de la valeur, puis c'est un beau moment, puis il y a un silence, puis Lara Fabian arrive dans le cadre, puis elle fait parce qu'avec les grands pouvoirs viennent les grandes responsabilités, puis moi ça me fait rire, Lara Fabian qui détruit un moment super charnel avec une citation de Spider-Man. Je comprends. C'est mon moment préféré de Star Academy. Lara Fabian qui cite des bandes dessinées, c'est génial. Ben, c'est un bon mantra quand même, non? Oui, mais c'est pas beau. Aussi beau que la mère de Grégory Charles. Oui, que deux personnes qui bandent au niveau culturel, ouais. émotif, talent. Oui. C'est ça, je comprends. Que, hey, Spider-Man! Pas. C'est mon moment favori. Je comprends. Ça, puis il y a un autre moment où il y a un humoriste qui parle à des académiciens avec un pudding, mais ça, on n'en parle pas. Avec un pudding? C'est qui ça? Mariana? Oui! Non, mais j'ai checké les émissions. C'est pas Pierre-Yves-Roy. Non, c'est pas Pierre-Yves-Roy qui mange un pudding puis qui pointe le bon. Parce qu'il y a un bout, vous pouvez aller sur la page de Star Academy, il y a une vidéo de Mariana Mazza qui mange un pudding puis qui donne des leçons de vie aux académiciens, puis elle pointe le monde avec sa cuillère. Puis nous, ça fait toujours qu'on rentre là-dessus. Hey, quand on dit que les podcasts, c'est tout croche, hein? C'est ça qui est génial, on se fait dire, hey, les podcasts, c'est n'importe quoi, c'est pas fait. On allume la télé, subventionné, le meilleur show, il y a Mariana Mazza qui mange un pudding, puis qui dit, le désir d'être aimé, ça t'envahit. C'est bon, OK. Bon, ben, super! Oh my god. Ah, vive Star Academy. Ouais, fait que j'aime Star Academy, c'est vraiment cool. Pourquoi tu peux, est-ce que tu serais prêt à participer aux auditions? Non. Non, tu pas non, j'ai, non, j'aurais trop peur. Puis je suis pas bon aussi. C'est ça qui me manque. Je comprends. T'as-tu fait des talent shows au primaire, secondaire, genre cégep en spectacle? Non, 0-0-0. Ok. J'étais vraiment introverti. Ok. J'avais quand même des amis, mais je sais pas. Ok. J'ai jamais fait d'impro, j'ai fait... Mais tu manquais les vendredis. C'est tough avoir des amis quand tu manques les vendredis parce que c'est les journées où les profs sont fatigués puis tu peux niaiser. Il y a un peu plus de lousse. Ouais. Moi, j'ai fait des shows de musique au drum. OK. Je peux-tu vous compter mon vendredi préféré à l'école? Est-ce que ça implique de la nudité infantile et des ceintures? Si oui, non! Non, mais c'est pas mieux. OK. Nous, à mon école, des fois, on avait des cours de sexualité au primaire. Puis il y a une prof, stagiaire, ou du moins assez... À ses premières années, qui s'est dit, sais-tu quand est-ce que je vais faire le cours de sexualité? Le vendredi. Ouais. Et dans le cours, c'était vous poser les questions que vous voulez, puis je vais répondre. Okay. Puis c'était des petits gars de 11 ans là, qui avaient un free-for-all de répondre ouais. n'importe quoi ouais. à une femme de 24 ans. Ouais. Très excitante. Ouais. Et elle a dû répondre devant toute la classe, il y a combien de doigts qui rentrent? T'as écrit ça? Pas moi! Non, pas moi! C'est sûr. Moi. Ben, moi aussi, je pensais que c'était toi. Là. Non, non. C'est trois. Non mais. Ah, parce que c'est pas in character de toi d'écrire ça. Là. Non. C'est quoi que t'as écrit? C'est ça la question. Je m'en souviens plus. Je m'en souviens plus. Tout ce que je me souviens, j'avais des amis qui mesuraient leur pénis avec une règle. Ok. Pendant le cours. En classe? Ouais. Wow. Puis ce qui me faisait rire, moi, même à l'époque, c'était la même règle. Fait qu'il se passait la règle. Cool. Puis dans le cours d'informatique, il allait voir des sites porno puis il disait yo. Leur truc, c'est d'avoir deux pages, puis ils pensaient qu'ils se faisaient pas pogner. Okay. Puis ils arrêtaient pas de dire, yo, notre truc est infaillible. Puis c'est comme 15 ans plus tard que j'ai réalisé, c'est pas que le truc est infaillible, c'est que personne n'avait l'énergie de juste aller voir des jeunes de 12 ans pour leur dire, s'il vous plaît,
Ne regardez pas de la pornographie pendant le cours. Je comprends. C'est tout. Eh ben. Ça, c'est bon, là, c'est ma jeunesse. C'est extraordinaire. Eh ben, coudonc. Moi, j'ai déjà... Hey, c'est tellement lame comme anecdote, mais je pense que ça vas-y. Exprime bien qui je suis, vu qu'on est tous ouverts sur qui on est aujourd'hui. On est tous ouverts. Dans un cours de physique, au secondaire, c'était une matière dans laquelle j'avais beaucoup de facilité, puis que j'aimais beaucoup. Puis un moment donné, j'étais en équipe avec une de mes amies qui était aussi très bonne à l'école. Fait qu'on a vraiment passé au travers du labo qui était à faire, ou je sais plus trop, de l'exercice qui était à faire vraiment rapidement. Puis on s'est mis à niaiser sur la chanson All Night Long, puis à la fredonner, puis à la chanter un peu, puis tout ça. Puis là, on s'est rendu compte qu'on connaissait pas les autres paroles à part All Night Long. Fait que là, on est allé voir le prof. Puis on lui a dit, monsieur, on aimerait se renseigner davantage sur les normes physiques que nous apprenons dans le contexte de cette activité. Et pour ce faire, on aimerait avoir accès aux ordinateurs de la bibliothèque pour comme pousser notre réflexion. Puis lui, il a juste fait comme... Les deux petites bolées qui prennent ça au sérieux. Mais oui, on est à la bibliothèque, là. Puis on est allé à la bibliothèque chercher les lyrics de All Night Long, les imprimer, puis après, on a pu chanter la chanson au complet. Wow. Hein? Une rebelle, mesdames et messieurs! Non, une amoureuse de la culture. Une amoureuse de la musique. Tu veux-tu, s'il te plaît, ça, tu l'as jamais conté, puis je trouve que c'est une des plus belles histoires. Comment t'es passé des sciences aux arts? Parce que c'est aussi dans un accord d'un truc. C'est vrai. D'un labo? Moi, j'avais un parcours. Mais moi aussi, j'étais pas tant de tous les spectacles et de toutes les... un peu comme toi. Puis, un moment donné... En fait, j'ai commencé... Tu faisais du ballet, t'aimais ça? Le... Ben oui, mais je faisais, oui. Tu faisais-tu une impro? Que... Oh. Non, j'ai pas fait d'impro. Parce qu'elle méprise l'impro. J'ai fait... C'est ça, j'ai commencé... Qu'est-ce que tu dis des gens d'impro? J'ai dit qu'ils sont libidineux. Elle a traité le monde de libidineux. Elle! Elle! Elle dit que le monde sont libidineux. C'est comme moi qui dis « tu parles trop fort. En tout cas, mais j'ai fait parce théâtre. Que les gens de théâtre, là, ils font jamais l'amour. Non, mais comme j'ai dit à Arnaud Solli, nous, on a de la classe. C'est ça, la différence. Mais bref. En tout cas, oui, j'ai fait du théâtre quand même en secondaire 5. J'ai touché, mais comme un peu comme gêné, puis un peu comme, faut pas trop qu'il y ait de monde qui sache que je fais ça, tu sais. Puis j'ai commencé le cégep en... T'as le même rapport alors qu'à la masturbation. Comme je veux pas que mes amis sachent que j'ai un podcast. Puis, en tout cas, c'est ça. J'ai commencé le cégep en sciences pures ou sciences nature. Je me souviens plus comment ils l'appelaient exactement. Puis, un moment donné, j'étais en labo de chimie où est-ce qu'il fallait comme faire chauffer de la poudre de différents métaux, comparer le poids, comparer plein d'affaires, puis tout ça. Puis, bref, un moment donné, j'ai échappé mon... je me souviens plus des termes. Mon vase de pétri, je pense. C'est pas possible. Je l'ai sorti du four, puis avec les pinces, parce que là, ça sortait du four, puis là, je l'ai échappé à terre, puis toute ma petite poudre est tombée, puis là, il fallait que je recommence du début, puis là, le prof, il a fait « va falloir que tu restes pour recommencer tout ton labo », puis là, j'ai fait... je me souviens, j'avais mon sarreau, merci, mes lunettes, tout ça, là, tout le kit, j'ai mis les livres, puis là, j'ai fait... Non, je recommencerai pas, puis je le recommencerai plus jamais! Puis je suis allée juste changer de programme et tout ça, parce que... J'étais rendue en deuxième session, je pense. Puis ça me pognait à la gorge le fait que, avant de pouvoir créer quelque chose en science, ça prend vraiment beaucoup de temps parce qu'il faut que tu étudies, que tu maîtrises la majorité des choses qui ont été faites jusqu'à présent. Puis j'avais vraiment juste un envie de créer, communiquer, parler, dire des choses que je pense, puis tout ça. Fait que j'ai changé de programme à ce moment-là. Et tu as dit un truc que j'ai trouvé très touchant quand tu l'as dit. J'étais un peu saoul, ça aide. En science, avant de découvrir quelque chose, dans les cours, tout le monde arrive à la même réponse. Ouais. On sait tous la réponse. Le but, c'est se rendre. Ouais. Tandis qu'en art, tout ce qu'on fait, c'est différent et on ne connaît pas la réponse. Il y a de l'inconnu. Ouais. Puis j'ai trouvé ça beau. Puis depuis ce temps-là, quand je parle au monde, je dis que c'est ça, l'art. C'est de l'inconnu et on ne sait jamais où ça s'en va. Puis j'ai volé ça à toi. À moi, un peu seul dans un party. C'est extraordinaire. T'es allé en quoi après? Après, c'est ça. Là, j'avais le syndrome de l'imposteur, puis là, je me disais, je peux pas. J'avais plein d'amis qui étudiaient en cinéma. J'étais allée au cégep Huntsic. Okay. Fait que j'avais plein d'amis qui étaient comme, tu sais, viens avec nous en cinéma et tout ça. J'étais comme, ah ouais, mais là, je sais pas encore assez de choses pour pouvoir prendre la parole. Là, on dirait que là, j'ai trop de choses humaines à apprendre. Fait que j'étais allée en sciences humaines.
études, spécialisation études sociales pour étudier économie, sociaux, psycho, tout ça. J'étais comme, on dirait que j'ai envie d'apprendre sur d'autres êtres humains que moi. Tu sais, comme moi, je me connais puis j'en reviens de moi. Là. On dirait que j'avais pas envie de prendre la parole tant que ça. Fait que je me suis inscrite en sciences humaines, mais je me suis inscrite également dans la troupe de théâtre à ce moment-là. Oh. Puis là, ça a vraiment changé ma vie, vraiment. Ça a été vraiment une expérience incroyable. Voilà. C'est beau. Merci. Merci pour votre Bravo. Écoute. Ben, merci. Bravo. Toi, t'es allé où, au cégep? Au cégep? Ouais. J'ai fait une session et demie. OK. En multimédia. OK. C'est le fun, mais dans le temps, j'avais pas beaucoup d'ambition, fait que j'ai arrêté. T'as arrêté? Ouais. Et quand t'as arrêté, t'es allé faire quoi? Hein? T'as commencé à travailler à quelque part? Je me cherchais, là. J'ai travaillé dans une épicerie à Longueuil pendant un petit bout. Ouais. Puis après ça, j'étais allé à Trébasse, en son. OK. Ça, c'est drôle! Ouais. Parce que je connais personne qui est jamais allé à Trébasse. Trébasse? Allez pas là, ça sert à rien. Ben oui. Faites pas ça. Trébasse. C'est les pubs dans le métro. Oui, c'est les pubs. C'est vraiment les pubs dans... Je suis en dépression, je vais mal, j'ai un problème de consommation. Ouais, faut que je fasse quelque chose de ma vie. Ah, Trébasse. Trébasse, c'est là. Ça prend tous les gens qui veulent. Puis c'est quoi, c'est un an? Ouais, c'est un an. OK. Mais c'est au moins un an. OK. Un an, deux ans. Puis là, tu l'as-tu fait au complet? Ouais, je l'ai fait au complet. T'es certifié très basse. Non, je suis pas certifié parce que j'ai pas payé au complet. Ah! Oh! T'as juste pris le savoir. Ils ont dit, OK, tu payes pas, fait que tu fais pas le dernier examen, puis je suis pas certifié. T'as le savoir, mais t'as pas le diplôme, c'est la meilleure affaire. Mais y a pas tant de savoir. Non, mais c'est 20 000 piastres, ça. Faites pas ça, les jeunes. 20! C'est plus que l'école! Ouais, c'est ça, c'est plus. L'humour, ouais, l'école nationale. L'école. L'école. Pour les gens qui. Mon podcast. J'haïs ça, man. Tabarnouche, oui, l'école. Mais c'est 20 000 piastres. Ouais, ouais. Waouh, OK. Ouais. Oh, mais c'est des affaires que tu peux apprendre. Il y a un gars qui a une photo avec. comment ils vendent ça? C'est un gérant de Sean Paul. Hein. Ouais, non, il y a un gars qui a une photo Rubber Plant. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Oui. Il y a une photo Rubber Plant qui fait ça. Hey, c'est 20 000 piastres pour une photo Instagram avec Robert Plant. C'est cher à payer, hein. C'est très cher. Tu payes 65$ pour un billet, puis tu peux l'avoir ta photo après avec Robert Plant. Parce que c'est le genre d'affaire que tu peux apprendre sur le tas, là. Ah, prendre une photo Robert Plant, toi. Oui, oui. Très mais tu veux dire bon, la parle, technique son. Technicien de son. Ouais, mais faut le faire. Ah, Nico, t'as appris ça sur le tas, toi. Ben, j'ai appris ça en partie à l'université aussi, mais on m'avait dit à l'université, parce que j'y avais pensé moi aussi faire ça maintenant, puis on m'avait fortement déconseillé, là, parce que justement c'était vraiment super cher, puis au final, la certification en vaut plus ou moins la peine. Là, fait que, dans ce milieu-là, c'est le bouche à oreille qui est important. Puis Tu fais partie de la base. Très basse, non, tu rentres pas dans mon studio. This is a très basse certified studio. Loud, ils travaillent juste avec du monde qui a fait très basse. Ou si technique, pas travailler aussi, c'est beat. C'est tout ce qui l'intéresse. Tu très basse, non, tu touches pas à ma musique. Je comprends. Je comprends. C'est ça qui. Puis, est-ce que tu serais intéressé à faire l'école de l'humour? Non, non, on va en parler après. L'école de l'humour? Non. Non? Non. Pourquoi? J'aime pas ça, l'école. Je comprends. Moi, j'ai une autre raison pourquoi il faut pas que tu fasses l'école. Parce que t'es déjà super original. Puis l'école, ils vont faire... Non, non, on veut pas que tu sois original. On veut que t'apprennes à faire de l'humour. Mais tu fais déjà de l'humour. Ouais, mais ça me ferait chier de faire de l'impro puis tout ça. Parce que... Mais peut-être à un moment donné, ça va. Tu fais pour l'ensemble. Je comprends, ouais. Non, mais je sais pas, là, apprendre à respirer, ça ou parler fort, je sais pas, ça m'intéresse pas. C'est là que j'ai appris. Avant l'école de l'humour, je parlais pas fort. Avant l'école de l'humour, j'étais tout doux. Là, t'es arrivé à l'école. Non, mais ouais, mais c'est le genre de métier que tu peux apprendre tout seul aussi. Il y en a plein qui ont pas fait l'école, puis. Ouais. Puis c'est de l'argent, puis. Si je suis assez discipliné pour faire ça pendant 2 ans de temps de plus, je vais être aussi bon que si je fais ça à l'école. Tout à c'est fait. La discipline, je pense, que ça l'aide pour les pour gens. Pour n'importe là. Quoi. Les contacts. Contacts. Tout le monde dit la discipline parce que ça se dit mal de dire tu fais l'école pour les contacts. Ce qui est, à mon humble avis, une bien meilleure raison de payer de l'argent pour la discipline. Parce que la discipline, une bonne... Une rigueur des fois, t'as de besoin travail. Une rigueur de travail. Tu peux avoir ça sur YouTube. Là. Tu te vois sur un gars qui crie après toi et musclé qui a fait de la prison. Puis lui, il t'apprend la rigueur. Par contre, il peut pas te donner des contacts. Moi, j'ai fait de l'école pour les contacts. Pas l'école, pas de la débécalité. Pas de la débécalité, je ma carrière part pas. Puis... Je comprends. Oh, mais les contacts, tu les fais dans les shows aussi. Là. Ouais. Oui, mais mettons. J'en croise beaucoup des humoristes. Puis c'est vrai. J'en reparle. Puis avec le bordel, c'est l'école doit chercher encore plus sa place parce que le bordel, la plupart des gens vont là. Tu peux être repéré au bordel.
Je pense pas que l'école doit chercher plus sa place, mais je pense que maintenant, c'est qu'il y a vraiment une variété de parcours possibles. T'as raison. Il y a eu une espèce de démocratisation, puis avec le nombre de soirées d'humour qui s'est décuplé et tout ça. Fait que tu choisis le chemin qui te correspond le mieux selon ta personnalité, ton type d'humour, tu sais. Oui. Ben, mais je pense que là, c'est le bon temps d'aller à l'école, vu qu'il n'y a rien d'autre à faire que... que d'aller à l'école. Parce que tout est fermé. Jeu, mais c'est brillant. C'est vrai. Ouais. C'est là, brillant. C'est le meilleur temps d'aller à l'école. C'est brillant. Ouais. Tant qu'à attendre chez vous. Un petit cours zoom. Vaut très basse. Très basse. Non, à l'école nationale de l'humour. Pas très basse, allez pas là. Faites pas ça. Ça sert à rien. Checkez des tutoriels sur YouTube à place. Mais allez, j'y crois, pas très basse. J'y crois que tu peux tellement apprendre avec des tutoriels sur YouTube. Ben oui, moi j'apprends là-dedans. Là. Tu sais, mon faux vert, j'ai appris à l'apprendre. Mais Cunilingus, c'est là. Sur YouTube. C'est un gars, ah oui, pour, ok, là, où j'ai appris à faire les Cunilingus, pour vrai. C'est vrai, ça? C'est pas sur YouTube, c'est à Canal D. À Canal D, le vendredi soir, il y avait toujours, après 9h, il y avait une section cochonne. OK. Puis à un moment, il y avait des documentaires que c'était des gens qui faisaient un séminaire de Cunilingus puis apprenaient sur des fruits. Wow! Ouais, c'est ça que j'ai appris à faire des Cunilingus. Wow! Tu dis, wow, ben c'est bon? Oui, ça t'apporte quoi? Dire à tout le monde que je fais de la mauvaise amour orale. J'ai pas dit ça. Mais oui, t'as dit ça avec tout ton corps. Non, c'est juste, je sais pas quel point j'informe tout le monde de ça. Oui, bravo, c'est très bon, puis t'as bien appris de ce documentaire. Bon, ça je vais entendre. Moi, je vais entendre. Vive Canada. J'ai dans un micro de toutes les bonnes pipes. Oui, oui. On va parler des pipes à Steph. Avez-vous 20 minutes? J'ai jamais vu de documentaire sur comment faire des bonnes pipes. Par autodidacte. T'as appris au cégep. Dans ton bout de j'apprends sur le monde. J'apprends sur les humains. Tout ce que j'ai besoin. On va aller au café. J'allais apprendre au café campus. Tout ce que j'ai besoin, c'est des coupons de bière puis une soirée. Ladies night. Chacun son type de parcours. Génial. Est-ce que tu écoutes beaucoup de podcasts d'humour? Oui, j'écoute toutes les bons. Ouais. Ouais, c'est très bien dit, j'écoute toutes les bons, mais c'est génial. Parce que... J'écoute Couple ouvert, Tom. Yeah! Ouais, Couple ouvert. Ouais. Sous-écoute, je les ai toutes écoutées, je pense. Ouais. Puis, j'ai juste nommé ça. Est-ce que t'écoutes des podcasts, pas d'humour? C'est rare. T'as dit ça sur un ton comme si tu le chicanais. Non. Ouais, comme est-ce que tu écoutes autre chose que de l'humour? Ben, j'écoute Sans filtre. C'est moins humoristique, là, avec les deux gars qui ont ça ici. Ouais. Cool. Bravo. Deux gars tellement beaux. Ouais. Oui. Tellement beau, ces deux gars. Tous les podcasts sont tournés ici maintenant. Tout. Parce que tu veux ces beaux gars-là près de toi. Ils sont donc bien beaux. Je pensais qu'il allait être là, mais non. Moi aussi. Ils font de la nage. C'est incroyable. Les deux? Oui, ils se sont rencontrés. C'est deux anciens nageurs. OK. Ouais. Ils se connaissent de là, ouais. C'est pour ça qu'ils ont confiance en eux. C'est qu'ils ont un beau corps. Eux, si tu les mets tout nus, c'est correct. Je comprends. Puis moi, faut que je parle fort. On a chacun. Ou il te faut un ami qui te frappe avec une ceinture. Ça, c'est incroyable, cette histoire-là. J'en reviens pas. Voyons donc. OK. Mais ça me surprend, mais pas de temps. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est drôle. C'est dans ton personnage. Mais dans ma sexualité, j'ai pas ça. Tu m'as jamais frappé avec une ceinture. C'est vrai. Ouvre d'autres. C'est l'endroit l'important. Ils ont fermé les supercles. Il en reste un, je pense. Depuis que c'est fermé, j'éjacule plus. Je suis plus capable d'éjaculer. Tu ne retrouves pas le sweet spot du. Ça sent pas assez le popcorn. Déjà, je magasinais des apparts un moment donné, puis il y en avait un. J'avais visité l'appart sur Beaubien, au coin du parc Molson. Il y a un super club vidéo. C'est là où je l'ai fait! Oh my god! Ben voyons! Moi, j'ai visité, un moment donné, je cherchais des apparts, j'ai visité l'appart juste au-dessus. Hé! Hey, t'as répondu aux lampes de moi à 11 ans qui cherche! Sauf qu'on l'a pas pris parce qu'il était pas bien aménagé. Je magasinais avec mon ancien coloc, Michael, puis on n'est pas un couple, on est vraiment juste des amis, fait qu'on avait besoin de deux chambres. Lui, il traite pas sur le monde qui te ressemble. Non. Dont les femmes. Ben non, c'est ça. En tout cas, ben bref. Puis on n'avait pas pris cet appart-là, notamment parce que c'est ça, c'était mal configuré pour nos besoins. Et ça sentait beaucoup le pop-corn. Est-ce que ça sentait le pop-corn ou ça sentait le brûlé de mes fesses? Ça sentait le brûlé. C'était ton aura sexuelle infantile.
Homosexuel infantile. Oh! Ça sent la même chose que le beurre. Oh. Aïe aïe. C'est incroyable. Hey, ça revient à ce qu'on disait, que tu sais, des fois on s'est sûrement croisés dans la vie, mais en même temps je magasinais pas des appartements à 10 ans là, mais. Mais oui, mais on se croise. Oui, nous, moi, on se croise à différents. Je trouve ça beau. C'est très beau qu'on soit unis par ce super club Vidéotron-là. C'est à ce super club Vidéotron-là que j'ai acheté mon corps d'Elvis dans l'armée. J'ai jamais vu ça, ma chérie. C'est dans mon ancien appart. Moi non plus, jamais vu ça. Coloc. Mais j'avais acheté un corps d'Elvis à ce super club Vidéotron-là. Wow. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Combien de temps, mon amour? Coupe d'année. Là. Coupe d'année. Ouais. Coupe d'année. C'est le genre d'affaires qu'on doit savoir. Hein. Ouais. On est trois? Trois minimum? Deux? Coupe plus deux que trois. Deux, ben trois. Là, la petite a un an. Fait que, tu sais. Plus qu'un an. Au moins un an. Minimum. Ta vie sexuelle m'intéresse. OK. As-tu une vie sexuelle pendant la... T'as une vie sexuelle? Ouais. Es-tu en relation amoureuse? Non. OK. Es-tu couple ouvert? J'ai déjà été en couple ouvert. Je veux tout savoir. Ben, tu sais, je me cherchais, là. Mais j'ai jamais vraiment eu de blonde. J'ai eu une blonde dans ma vie, moi. Tard, très tard. Puis après ça, je me cherchais. Puis là, je me suis dit, j'aimerais ça coucher avec plusieurs demoiselles tout le temps. Puis là... Je comprends ça. Comme un petit bonhomme, là. Un petit... Ben non, mais c'est le fun de pénétrer des femmes. Oui, oui. Ben, c'est ça que je me suis dit. Puis là, j'avais une amie qui était dente de faire ça. Mais ça n'a pas vraiment marché. OK. C'est parce qu'il faut avoir beaucoup de confiance, je pense, pour ça. Mais j'aimais pas ça qu'elle fasse des white lies, dans le fond. Des fois, elle allait voir des messieurs, mais elle me le disait pas. Puis j'aime juste mieux qu'elle me le dise. Mais ça me dérange pas tant qu'elle couche avec d'autres personnes. C'est juste qu'il faut qu'elle me le dise si elle le fait. Je comprends. Qu'est-ce que tu penses de ça? Dis-moi si je dis n'importe quoi. Je dis souvent n'importe quoi. Peut-être que son désir, c'était pas de coucher avec d'autres hommes. Son désir, c'était de tromper. Moi, je suis d'avis qu'une des raisons pourquoi le couple ouvert, pour certaines personnes, ça ne fonctionne pas. Ils réalisent leur objet... Leur vrai désir, c'est pas coucher avec plusieurs personnes. Leur vrai désir, leur vraie adrénaline, c'était de d'avoir tromper. Le thrill de mentir. Puis... Ouais, c'est ça qui est excitant. Ben, il y a les deux, je pense. Mm-hmm. Elle aimait ça coucher avec d'autres messieurs. Oui, au gars, elle mentir. Mais c'est elle me le cachait un peu. Au plat faire jouer, tu dis pas c'est quoi ta couleur préférée, bleu, c'est rouge. C'est pas vrai! Ça, c'est comme un gros trip. Comme ça au lit. Ouais, fait que ça a pas duré longtemps, là. Après, parce qu'on on se fréquentait, on était amis. À un moment donné, on s'est mis en couple ouvert. Puis là, ça a chié. Est-ce que des fois, vous faisiez l'amour en groupe? Ça a passé une fois. Est-ce quelque chose qui t'intéresse? Pas nous. Hmm? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse, faire l'amour en groupe? Ouais, mais ben, je suis curieux. Yeah. J'aimerais ça essayer, je pense. Ah, mais j'ai déjà fait de l'amour en groupe. Mais parce que je compte pas ça comme faire l'amour en groupe. Là. Ben, oh, parce qu'il y avait-tu comme des sous-groupes? Hein? C'était-tu parce qu'il y avait des sous-groupes? Non, mais parce que le focus était sur la même personne. OK. C'était-tu toi? Non, hein? C'était-tu toi? Non. Oh. C'est... Non. Oh, ben, dommage. J'ai participé pareil, là, mais c'est juste que... Mettons, j'ai fait un gangbang. OK. Puis le focus, c'est sur la fille, vu que c'est un gangbang. Puis, mais je compte pas les autres messieurs dans cette relation-là. Mais non, parce que t'as pas touché. Je les ai pas touchés, puis il y avait pas de romance entre. Il y avait pas de romance dans le gangbang non plus. C'est ça qui manquait. Je le conseille pas à tout le monde. C'est excellent, ça. Oh my god. Attends, mais ça remettra jamais. Il manquait de romance dans le gangbang. Il n'y a pas de romance dans un gangbang. C'est plus éclairé qu'ici. Il y avait de la musique douteuse, un projecteur. Il y avait un projecteur. Où c'était? Chez quelqu'un? Ou ouais, dans chez un... quelqu'un. Il organise ça chez lui. OK. Puis là, ben c'est pour la fête de mon amie, la demoiselle. C'était question, son cadeau d'anniversaire. Elle voulait ça pour sa fête. Ouais. Ça je pour veux sa pas fête. Ça à ma fête, mon amour. Non, mais elle a demandé. Puis j'ai dit sûr. OK. Puis là, elle connaissait un gars qui organisait ça. Puis là... C'est ça. On est allé dans un petit loft. Comment tu t'es fait approcher? Hmm? Comment tu t'es fait approcher pour participer au gangbang? Ben, je couchais déjà avec la demoiselle en question. Side. Puis j'ai dit, je suis un yes man, moi. Pourquoi pas? Hey, let's go! Hey, pourquoi c'est ma faute si ça marche pas, ça? Yes go, yes man!
J'en sors grandi de cette expérience. Oh, nous aussi. Oh, c'est incroyable. Question vulgaire, est-ce qu'il y a une odeur désagréable après un moment? Parce que non, c'est vrai, il y a un peu d'odeur. Ah, j'aime ça, parce que des gars tout nus qui font des efforts, ça se passe. Tu sais, quand on joue au hockey comme hommes, il y a des odeurs. Non, c'est bien ventilé. C'était l'été en plus, on n'avait pas tant chaud que ça. OK. Ouais. On est rendu super technique. Ah ouais, c'est le fun. On avait des boissons gratuites et tout. OK. Il savait comment recevoir le monde. Ben oui, il y avait un couloir avec des boissons. Il a fait ça dans la vie. Ouais, sauf la musique, ça, c'était pas bon. Non, c'était quoi c'est du genre? Je sais pas, c'était de l'électro que j'écoute même pas. J'écoute de l'électro dans la vie, mais c'est juste cheesy. OK, je comprends. Ça m'était plus. Est-ce que t'aimes ça écouter de la musique en faisant l'amour? Non, ça me déconcentre. Oh. C'est génial que ça te déconcentre. C'est génial que tu... Oh, c'est vrai, je baise. Je danse un peu. Oh, alors, c'est une bonne passe. Attends, c'est mon mot préféré. Là, ça gâche le moment. La seule musique qu'on met, c'est, mettons, le film Netflix qui continue à jouer. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un bruit de fond, là, mais... Ouais. Faut pas qu'elle soit trop forte, la musique, si on en je comprends. Parce que sinon, ça... Ouais. Moi, ça me déconcentre, en tout cas. Ouais. Ah, je comprends ça, je comprends tellement. Génial. Es-tu sur les applications de rencontre? Ouais. OK. Ouais. Je suis beaucoup, là. J'ai toujours rencontré comme ça. Ah, okay. Ça marche pour toi, c'est bon. Marche. Je suis encore seul, mais... Mais t'as fait des belles rencontres quand même un peu. Oui, ouais. Oui, c'est le fun, mais... Ouais. Est-ce que tu veux nous expliquer... c'est quoi les choses que t'encourages les femmes... ou les hommes, si tu couches avec des hommes, à mettre sur leur profil? Qu'est-ce qui attire le regard? Ou qu'est-ce qu'au contraire fait comme... Ben parce que c'est tellement... Tu connais pas la personne, mais peu importe qu'est-ce qu'elle met sur Tinder, je trouve. C'est souvent à la rencontre que tu sais c'est qui. Mm-hmm. Ah, ben ouais. Fait que peu importe qu'est-ce que tu mets. Moi, je suis toujours ouvert à... Je suis un yes man. T'es un toujours... yes man? Je suis toujours ouvert à la rencontre. Moi, ces temps-ci, là, mais... Moi, je suis prêt à aller un gangbang, mais pas si elle met son signe astrologique. Là, ça allait de l'astrologie. Il y a rien qui me turn off, là. Je me suis dit, ah, je vais apprendre à la connaître. Je me fais pas d'attente, sinon c'est là que tu peux être déçu ou... C'est très bouddhiste, j'aime ça. Mm-hmm. Ouais, le secret, c'est pas de faire... Pas se faire d'attente, c'est un gigantesque secret, c'est beau. C'est un mantra qui dure des millénaires. Qui fonctionne encore. Oui, parce que souvent, des fois, on attend le contraire. Tu sais, genre, j'ai une liste, là, il faut qu'il soit ou qu'elle soit comme ça. Puis là, ça te contraint. Moi, j'ai zéro liste. Ouais. Puis on y va avec le flow. Si ça va bien, ça va t'as-tu, bien. Est-ce que t'es sur plusieurs apps? Et si oui, t'en as-tu une préférée? Ça ben, préférée, Tinder, c'est Go See You, évidemment. Go See You, je l'ai téléchargé hier. Yeah! Mais je me suis pas abonné. Salut, Mélanie! Je ne sais pas créer un compte encore. Là, faut mais j'ai le même compte dans toutes les apps. Il faut que tu fasses un compte dans le groupe Olé. Olé. Parce que pour ceux qui savent, dans Go See You, il y a Go See You, juste on tombe en amour. Ouais. Puis il y a le groupe Olé. Le groupe Olé, c'est plus... C'est pour les Yes Men. Ouais, c'est pour les Yes Men. Oh, c'est pour les Yes Men. Let's go. Fait que tu fais comme juste un dérivé du même profil sur différents... Je comprends, là, mais tu peux pas avoir comme... tout le temps être redoublé d'originalité sur différentes plateformes. Là. Ouais. Ouais, c'est tout pareil. Mais, okay. Mais où que j'ai plus eu d'aide, c'est Tinder. OK. Mmh. Ouais, Tinder, il y a Inge aussi, Bumble. Est-ce que les femmes sont différentes? Hein? Est-ce que les femmes sont différentes d'une application à l'autre ou pas du tout? Non, je pense pas. Ah, je t'assure que ouais. Tu penses qu'il y a différents comme crowd, dépendamment de l'app? Ouais. Okay. Mais ça dépend de ce que tu recherches. Tu sais, l'affaire que j'ai jamais faite, là, j'ai plein de préjugés là-dessus. Oui, c'est ça. Plein. Je comprends. Je ne peux jamais aller en Nouvelle-Zélande, mais je sais quoi. Je comprends. J'ai décidé ça. Ouais, mais là, je date moins, là. Je sais pas. Ben, c'est un... Parce qu'on peut pas. Ouais. T'es-tu allé prendre des marches? Parce que Nico, lui, est allé prendre des marches. Ah, j'ai ça, ben oui. Nico, il va marcher, mais... Tu sais que t'aimes les femmes pour aller prendre des marches avec eux autres. Ouais, c'est plate, là, des marches. Même nous, on ne prend pas de marches. Mais on n'a pas le choix. C'est juste ça qu'on peut faire. Il n'y a pas de quoi... Ben, mouille-toi pas, là. Si j'étais célibataire, puis c'est la pandémie, je trouverais ça tellement excitant d'enfreindre le règlement et d'aller coucher avec du monde. Je comprends. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui le font. On les salue. Il y a beaucoup de monde qui écoute notre podcast qui doit faire ça. Parce que qui on attire? Des cochons. C'était écrit dans les analytics de YouTube. Mm-hmm. Des cochons. 25% de femmes, majoritairement des cochons. Des cochons.
C'est juste du monde cochon, les commentaires. Moi, j'aimerais qu'on passe la poque à Nico, parce que Nico, il a eu une désastreuse date. Mais il veut pas en parler. Tu veux-tu en parler? Ou tu veux pas en... Je peux pas. Non, mais ben, je peux. Ouais, je peux en parler, là, je pense bien. Mais ben, ça a pas été si désastreux que ça, en fait, mais c'est juste que. C'est quoi son nom? C'est quoi son nom? Tu l'as raté sur 10 physiquement. Ah, c'est ça. Rate, pas de nom, là. Pas moi, je te raise sur 10? Ouais, rate-moi sur 10. 27. Ah! Avec ça, 5 en droit. 5 en droit. Oh, Tom. Non, mais ça avait mal parti, mettons, parce que quand je suis arrivé au début, je me suis dit, il faudrait que je fasse une joke ou. C'est la pire affaire de se dire qu'il faut que tu fasses une joke quand tu vas la voir au début. Puis la première affaire que j'ai dit, c'est comme je m'en allais te texter de danser ou quelque chose pour que je puisse comme te reconnaître, genre. Puis je l'ai vu qu'elle l'a comme mal pris un peu. Genre, c'est comme si je. T'as pas besoin d'aide parce que, tu sais, à mon humble avis, dis-moi ce que t'en penses, Jimmy, une excellente joke. Moi, j'aurais aimé ça. T'aurais trippé, toi, Steph. Ouais, mais ça. Ben, en tout cas, mais ça. Donc là, elle a fait danser, là. Mais c'est ça. Fait que ça a fait cochon, petit fret, là, puis ça a pas cliqué tant que ça après ça dans marche. Mais tu sais, une fois que tu marches, ben, tu sais, faut que tu fasses le tour, là, faut que tu reviennes. Là, c'est pénible. Okay. Non, c'est pénible, là. Tu marches, tu sais pas où que tu marches, puis là, ça va pas bien, mais tu marches. Puis là, t'essayes de respecter. C'est l'hiver, en plus. Ouais, c'est ça. Mais j'aimais pas les dates de parc aussi, là. Elle était assise dans le gazon. Je sais pas, je Ah, parce que l'été, c'était plus des dates de parc. Ouais, ouais, je comprends. Au retour des dates puis de la vie, disons, où on peut se tousser dans la face, là, des dates sous-estimées, des dates déjeuner. Aller déjeuner avec quelqu'un pour j'ai déjà fait ça. Ouais. C'est bon, hein? Ouais, c'est cool. C'est cool. Moi, je trouve que tranquille. La lumière est trop cruelle le matin. J'ai vu la lumière tamisée du soir. Mais t'es chaude. Je suis insécure pareil. Toi, tu me vois chaude, mais moi, je suis insécure. Comme ben du monde. Fait que j'aime mieux quand la lumière est tamisée puis que je peux me cacher un peu avec mes cheveux. Ça rend ça cochon. Tandis que quand c'est un restaurant de déjeuner, c'est genre soleil! Puis il fait tout le temps comme il y a des familles qui déjeunent, puis là t'as une espèce de couette de cheveux comme t'es comme. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont comprendre ce que tu vis. Hey, là, fermez les stores un peu. On essaie de baiser. Il y a du monde qui essaie de se mettre ici. Je suis en mode séduction, puis là, on me voit au travers de la face. Non, là. Ouf. Ouais. Mais, ouais. Il y a de quoi de cochon là-dedans? Il y a de quoi de cochon de moi, je monte tout? Je comprends, mais ça prend du courage. J'avoue qu'il y a moins d'ambiance dans un cora que dans un bar. Merci, Jimmy. Puis aussi, après un cora, si mettons ça clique, tu fais. C'est pas que je veux pas faire l'amour, je ne suis pas en mesure. Parce que mon déjeuner du constructeur fait que je peux pas. Puis mes 4 cafés. Ouais. Mais merci pour ton input, Tom. C'est gentil, hein, pour les gens. Je veux tellement que les gens fassent l'amour. C'est tout ce que je veux. Je comprends. C'est mon seul souhait. Ben oui. Puis ça arrive. Ah, j'ai parlé que j'ai provoqué une rupture. Ah. Quelqu'un m'a écrit en me disant qu'une de mes jokes, ouais. Ça l'a allumé, a quitté sa blonde, puis il l'a fait. Wow! Le gars a quitté sa blonde? Ouais. C'est quoi ta joke? Mais en gros, c'était que. C'est pas parce que c'est la Saint-Valentin que c'est pas un bon moment pour laisser quelqu'un. Quelqu'un fait qu'il l'a laissé à Saint-Valentin. Wow! À mon avis, tout le monde est gagnant dans cette histoire-là. Moi, mon ego. Lui, il peut avec la fille. Puis ce fille-là, il peut avec un gars qui la laisse à la Saint-Valentin. Tout le monde est gagnant! Hey, tu te souviens, tantôt, on a parlé de crowdwork que t'aimes pas, Jimmy, mais Tom, t'as déjà fait pleurer quelqu'un en crowdwork. C'est vrai, contenu, qu'est-ce que c'est. Ouais. Ben là, genre, je me souviens pas. À ta soirée? Non. Un show qu'il avait fait. J'ai fait un show avec Colin Baudrillard. On a chacun fait une demi-heure, 40 minutes. Et j'ai fait du crowd work. Il y a une fille qui est allée en date avec Pierre-Luc Racine. Puis qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle était là à ce show-là. Puis tu as fait du crowd work. Puis là, tu lui as demandé, tu sais, what's up avec toi. Puis elle venait de laisser son chum la journée même. Puis toi, tu avais dit genre bonne affaire. Ouais. Elle a laissé son chum parce que, selon ses amis, puis elle l'a confirmé, son chum était jamais rough avec elle au lit. Il était jamais rough, puis il l'insultait jamais. Puis elle, au lit, a besoin de se faire insulter puis prendre jusqu'à soit rough, puis il le faisait pas. Elle l'a laissé. Ça, là, c'est aussi, du crowd work incroyable. Ouais, puis elle est allée en date avec Pierre-Luc Racine, puis oui. Elle parlait de ce homme-là encore. Elle dit Thomas Levac est un peu élevé quand il fait du crowd work, ce qui est vrai. Mais pour la foule, c'est bon.
Il est un peu éveillé tout court. Ah, on écoute en mode famous TV. Même à 10 ans. Au vidéo drôle, je t'ai dit. À 10 ans. Même en... on la salue et on espère qu'elle est revenue avec son chum puis que son chum la traite de salope. C'est ça qu'elle veut. Moi, j'ai... C'est ça qu'elle a besoin. Elle a besoin de faire une salope et se faire cracher dans le fond de la gorge. C'est ça qu'elle a besoin. Puis c'est excitant de faire ça. Fait arrête, fais-y. Voyons donc. Pour que ton couple fonctionne, faut que tu dises que t'es une petite pute puis t'as vire de bord. Papa. Moi, j'attire ça des femmes qui aiment ça violemment au lit. Okay. Je sais pas pourquoi, mais ça m'est souvent arrivé. Puis... Elle te communique ça. Ouais. Mais c'est pas fin, frapper quelqu'un. Je comprends. Ben, si c'est pas ton vibe, non, c'est ça. Ouais, wow, je peux comprendre. Wow! Moi, j'attire beaucoup ça. Ben, et comment tu te sens quand ils disent yo? C'est... Fais ben, ça. Je l'étrangle maladroitement. Je sais pas. Je te yes man, je l'ai dit. Je suis genre, mais tu veux okay. ça, mais... Oh, wow. C'est génial. Frapper, j'avais fait ça. Oh, ben, c'est génial. Non, ben, une fois, peut-être, mais ben, pas ouais, fort. On a tous frappé quelqu'un au lit, parce qu'on fois, c'est des affaires, là. Non, mais elle me l'a demandé, là, mais... Ouais. Je sais pas. Ça oh, oui, mais oui, je suis pas en train de dire que des fois, au lit, il suffit que tu connais pas tes frappes. Ça casse le rythme, je trouve. Genre... Je comprends ce que tu veux surtout dire. Surtout quand c'est ça, c'est pas quelque chose que t'es habitué de faire. Fait que non! C'est quoi la vitesse? C'est quoi la norme? Je veux pas y faire mal. Ben c'est surtout quand, à chaque fois qu'on me dit frappe-moi, je veux dire, frappe-moi, est-ce que je mets les hanches? Comment? Est-ce que je torque? Parce que tu m'as fait de la boxe, moi. Je veux dire, t'as-tu besoin? Fais-tu un transfert de poids? Parce que moi, je suis un petit piston, là. Je peux. Ouais. Ah. Tu veux te pousser si je frappe ou que je lève mes mains, vas-tu me frapper après? C'est ça, ouais, moi j'aime ça. J'aime pas ça me faire frapper ni mordre. Fait que... Je comprends. C'est pas ton. Non, c'est moi j'ai déjà essayé ça à l'inverse. Hey, je pense que j'aime ça me faire frapper. Puis tellement non. Elle aime pas ça. Des fois faut oser. Puis après ça on. Elle aime pas ça. Ok. Excuse-moi. À l'époque où je couchais avec des filles de ma vingtaine. J'ai demandé à une fille, yo, juste parle-moi cochon, puis elle me dit, est-ce que t'es con? Mais cochon, genre. T'es incroyable. Ouais, elle parle-moi cochon. Elle me dit, est-ce que t'es con? Ça aussi, je parle pas trop cochon. Toi, tu parles-tu? Est-ce que t'es con? Okay. Est-ce que t'es con? Ah, oh, ouais, non, mais le dirty talk. Non, regarde, on va pas rentrer là-dedans, mais on va pas faire semblant qu'on en fait pas. On en fait un peu, mais moi, c'est quelque chose qu'il a fallu vraiment que je travaille avec le temps parce qu'au début, j'étais. Ouf, j'ai rien à dire. Ouais, c'est ça. Moi, on dirait que je suis pas capable. Je me prends pas sérieux. Oui, c'est ça. Parce que tu t'entends dire des affaires complètement absurdes, t'es comme. Mais ouais, non. J'ai réussi à aller. T'as réussi, là, t'es capable. Ouais, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Des fois, je me dis, too much. Non, non, pas too much. Non, non, pas too much. C'est très... Je suis on point. Oh, ouais, t'es ça à note, mon amour. T'es ça à note. À Star Academy, ils te font passer. Lui, Richard, il fait, c'est bon, ça. Je devrais aller enseigner ça aux académiciens en mangeant un pudding. Là, le dirty talk. Là, tu dis au gars... Là, il n'est pas avec sa mère, il faut qu'il comprenne ça. Bon. Est-ce qu'on s'amuse un peu avec le Twitter de Guilla Lepage? Oui! Oui, j'en ai vu, moi aussi. Est-ce que Guilla, il n'a pas changé? Guilla, il continue. Il fait combien de tweets par semaine, genre? J'aimerais mentionner pour les nouveaux qui nous écoutent, Guilla Lepage, on considère, Stéphanie et moi, que la meilleure offre culturelle au Québec en ce moment, c'est le Twitter de Guilla Lepage. Qu'est-ce que Guilla Lepage fait? Il tweet à 600 000 abonnés des nouvelles sur la Presse Plus qui chapeaute d'un commentaire éditorial à propos de la nouvelle. Alors, il va être une nouvelle souvent sexuelle. C'est tout le temps des crimes sexuels. Pas tout le temps, mais la majorité, une récurrence. C'est des crimes sexuels, puis c'est le commentaire de Guy A. Et nous, ça nous fait mourir de rire. Alors, le jeu, Stéphanie va nous mettre une nouvelle. Oui. Et on devine. On devine qu'est-ce que Guy a écrit sur Twitter. Et c'est toutes des choses publiques, hein. Est-ce qu'il fait des phrases des fois, ou c'est juste des mots? C'est rare qu'il y a des verbes. C'est souvent juste. C'est rare qu'il y a des verbes. Ouais. Est-ce que c'est vous des adjectifs. Prêt? Ce que j'aime en plus de tout ça, c'est que Guy Lepage, c'est un de mes héros. C'est une des raisons pourquoi j'ai écrit dans la vie, pourquoi j'étais dans la comédie. Ouais. C'est, à mon avis, un des as de l'écriture humoristique. Et maintenant, à l'âge de 60 ans, il fait juste écrire que le monde, c'est des vidanges. Il fait pas juste écrire ça, non! Mais... Ah, il écrit Bébé Béatrice aussi! On l'a oublié. C'est-tu bon, ça, Bébé Béatrice?
C'est génial, c'est dedans, mais Béatrice, il y avait ça. Au début d'un sketch. Il y a lui sur son iPad. Il y a qui fait vidange. Puis Béatrice fait ah, papa, papa, il est occupé, là. Papa, il lit sa presse plus, puis il dit du monde, c'est des vidanges. Excuse-moi, papa. Oh, mon Dieu. C'est quoi, Béatrice? C'est une BD, genre? C'est une émission sur comme sa dynamique familiale avec sa jeune en fille. En dessin? Puis, ouais. Malheureusement, il n'y a aucun, il n'y a rien sur Twitter dans Bibliatrice, qui est une grave erreur, qui peut être corrigée dans la troisième saison. Oui, ça serait un bel ajout. Mm-hmm. OK, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Nico, tu joues-tu? Oui. Yes, sir. J'aime ça, oui. Alors, attention, on commence en force. Coupable d'avoir maltraité des enfants, il rigole au procès. Jimmy. Pourriture. Mm-hmm. Est-ce que tu peux répéter, excuse? Coupable d'avoir maltraité des enfants. Pas plus, Nico. J'essaie de gagner du temps. Là. Non, mais si je l'entends bien, là, on va l'avoir. C'est comme un spelling bee, là. Est-ce que vous pouvez l'utiliser dans une phrase? Coupable d'avoir maltraité des enfants, il rigole au procès. Il rit. Vieux maniaque. Mm. Oh, maniaque. Tom? Arc. Et c'était la vidange du jour! La vidange! Ah! Oh, oh. Il dit toujours vidange, j'aurais dit ça, vidange. Ce que j'aime là-dedans, c'est que peut-être que Guilla, dans sa tête, il doit trouver une vidange à chaque jour. Il y a une vidange, il faut la trouver. C'est un archéologue des vidanges. Attention. Test falsifié. Deux voyageurs atteints de la COVID-19 mis à l'amende. On l'a pas lu, ça, non? Non. OK. Des crétins, quelque chose. Des crétins. Deux oufs. Deux oufs. J'aime ça. Nico? Deux hosties de malades. La réponse est... Les grands champions du jour! Ah! Des journées, mais c'est des grands champions. Parce que grands champions. Du jour, hein? Oui, hein? Aujourd'hui, c'est qui, là? Il tweet à chaque jour. Oui, c'est ça. Ah, c'est okay. Génial. Attention. Au lieu des petites cartes, pourquoi c'est pas ça, tout le monde en parle? Peut-être ça va être ça bientôt. J'espère. OK. Impeachment de Donald Trump. Un républicain, pardon, qui a voté pour la destitution rejetée par sa famille. Alors, je répète, oh. Impeachment de Donald Trump. Un républicain qui a voté pour la destitution rejetée par sa famille. C'est quoi ça veut dire, impeachment? Impeachment, c'est la destitution du président. Ah, okay, okay. Ouais. Moi, je dis bon débarras. Bon débarras. C'est, on l'a déjà vu, ça, dans les choix de Guilla. Alors, bon essai. Ricochet vers Nico pendant que je pense. Parfait. Bonjour, Nico. Le petit Chris de rejeton. Le petit Chris de rejeton. Il est pas est-ce si intense, Guillaume. Il est quand même. Guillaume, il s'actue ou c'est juste Nico qui s'actue? Nico, il est juste ouais. J'adore. Je comprends, mais il est pas. Moi, je voudrais qu'il soit intense demain, de... en fait. Faut pas y prêter de la manière. La note éditoriale de Nico ouais. Qui ponctue avec le Chris. Ce serait pas impossible. C'est pas impossible. Ça dépend des jours. Hein. Moi, je dirais le rejet du jour. Oh! Ouais, c'est ça. Mais attention, réponse. On ne choisit pas sa famille. Est-ce qu'il y a des points d'exclamation tout le temps? À celui-ci, oui. Oh! Souvent. Quelquefois, il y a des emojis. D'ailleurs, j'arrive pas à le retrouver. Ma manie a utilisé le. Oui! Les applaudissements. Oui. Oh oui, c'est la nouvelle de volleyball. Ah oui. OK. Bon. OK. Une petite finale. Parce que des fois, je suis abonné au compte de Twitter de Guilla Lepage. Oh, puis aussi, tous les fans de Couple Ouvert qui me taguent sous chaque tweet de Guilla Lepage, continuez. Merci pour ça. C'est tellement cool. OK. Déclaration d'impôt. La Cour suprême inflige un revers à Trump. Déclaration d'impôt. La Cour suprême inflige un revers à Trump. Tom. Le vent tourne. Le vent tourne. Le vent tourne. Bien bon pour lui. Mm-hmm. Nico. Qui mange la merde. La réponse est reality check avec un point. Oh, le vent tourne, c'est meilleur. Le vent tourne. Qui mange de la merde. Qui mange la merde. Le meilleur, c'est qui mange la merde. Qui mange la merde.
Oh, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir joué au Twitter. Ah, je suis content. J'ai plein d'énergie. Ça ravive, hein? Oui, c'est mieux que le café. Je comprends. Ça rend cool. Merci. Comme jeu. Bravo. C'est le meilleur jeu. On va le commercialiser pour la télé. Noël. Fait que Jimmy, où est-ce qu'on peut te suivre si on veut voir ce que tu fais? Sur Internet, sur Jimmy Jazz partout. Facebook, TikTok aussi. Pas plus Facebook. Ah, plus Facebook, ouais, parce qu'ils m'ont... Ouais, ils te cherchent. Mais ouais. je fais plus de vidéos sur Facebook. TikTok, c'est Instagram, Jimmy Jazz. Instagram. Sur Instagram. Cool. Puis merci. TikTok aussi, mais je suis moins là-dessus. OK. Fait qu'Instagram. Ouais. Parfait. Ouais. Merci d'être venu. Merci à vous, c'était vraiment cool. Nice. Merci. Et je suis tellement content de l'histoire de Gang Bang. Ça, c'était fou. Je suis très heureux de ça. Ouais. Ouais, c'est... Mais faites pas ça. Hey, mais gangbang avec de la romance, un peu. Idéalement. Si les lumières étaient pas comme chez Cora, ça aurait été cool. Ouais, c'est fait, ouais, ce que j'ai retenu. Tout le monde, si vous faites un gangbang, tamisez les lumières. Oui. Si vous faites une date, tamisez les lumières. Ouais. Aidez-nous, là. Tamisez les lumières. Aidez-nous. Bonne semaine, tout le monde. Merci. Merci.